Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Scholar of the First Sin. Non, toi, je ne t'aime pas, tu es méchant, voilà. Ah, mais merde, c'est qu'il respawn, ces cons. D'accord, je vais pas venir vous faire un câlin. Hein. Au revoir. Au revoir. Mais d'où t'es venu, toi? Ah, lui, en fait, il fait semblant de venir. Il vient pas vraiment, en fait. Il s'en va. Oui, casse-toi. Merci. Heureusement qu'ils prennent tout leur temps à se défiger, ces mecs. Par contre, il fait noir, comme dans un cul, ici. Mon épée traverse pas du tout le plafond. Faites-moi sortir d'ici. Non. D'en bas? Non, ça venait d'en haut. Ok. Je vais peut-être aller lire pour ma culture, moi. Ouais, en gros, tu vas aller lire des doujines. N'oublie pas, itomi.la. Très très bien. Un miroir qui brille. Pourquoi il brille? Va te faire foutre. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi? Ok, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passait là? Ouais, merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends des bruits dans l'eau? Bon, j'ai pas envie de casser mon armure, puis sauf erreur, les objets qui sont là-dedans, ils servent à rien. J'appelle ça des hentai, je me complique pas la vie. Oui, mais c'est Doujin le nom. Mais ouais, ok. Donc, bonne lecture de hentai, mon fou. C'est un piège, ça, non? Non. J'adore le piège qui s'active pendant une fois que t'as ouvert le truc, mais en fait ne vise pas assez bien pour te toucher quand t'as ouvert le truc. Donc, je t'emmerde le jeu. D'accord, vous êtes deux. Aïe, 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 aïe. La peinture maudite. Alors, ce que j'ai, je comprends pas pourquoi elle a ses mains comme ça, genre. Elle a les mains comme si elle avait un bébé, mais elle a pas de bébé. Donc en fait, elle est juste là en mode. T'as vu, elle est là, manchotte. Non. C'est très bizarre comme pose. Je sais pas pourquoi le peintre lui a demandé de faire ça. Bizarre, je crois me rappeler d'un envahisseur ici. Où il est? Oui, bon, par contre, le jeu, quand le mec il brandit pas son bouclier,
Ce serait bien qu'ils se prennent pas des dégâts de bouclier. Merci. Ah oui, c'est là. Hop. Oui, poup. Là, y'a rien. Là, y'a quelqu'un. Aide. Là, y'a un mur invisible. Là, y'a un objet. Une âme. Ah, je pourrais descendre là si j'ai envie. Un fa. Mais je peux descendre là en fait. Oh, je savais même pas qu'il y avait une échelle. Là, je l'ai vu quand même. Bon, le problème par contre, c'est que là, si je reset la zone, ce que je vais faire, les mecs pétrifiés, méchants, ben, ils sont dépétrifiés. Ah non, ils restent pétrifiés. Bon, moi, j'ai rien vu, c'est tant mieux. Par contre, je crois que ceux d'en haut, ils se sont dépétrifiés. Même pas. Bah je te merde, voilà. Les boucliers qui ont une résistance de malade. Alors que j'ai quand même une putain de grosse épée. Bonjour madame. Où est le roi? Hein? Blablabla. Autre chose? Ok, au revoir. J'aime bien les trois petits points dans les jeux vidéo parce que basiquement ça veut juste dire que le mec il te regarde, puis il est en mode. Y a quelque chose pour moi? Bon allez, j'invoque quand même les PNJ. On avait dit, on ne s'interdit pas les PNJ. De toute façon, ce boss, il est salaud parce qu'ils sont 2 contre 1. Donc autant être à 2 contre 2. En plus, le connard, c'est un archer. Donc ses flèches, elles sont auto-guidées. Voilà, il est descendu, cet enculé. Bon, en soi, j'aurais même pas vraiment eu besoin de la madame. Quoique, waouh, elle en fait des dégâts de ce folle. Pour ce hurra, donc inutile. J'arrive même pas à faire le saut. Est-ce qu'on a le monsieur avec son épée de lune? Joker, bah non, je t'en veux pas. Allez, on reset la zone. Est-ce qu'on a un monsieur avec son épée de lune? Non. Ce mec d'ailleurs peut vous aider à la fin du jeu. Si vous réussissez à le garder tout du long. Enfin, si vous réussissez à le débloquer pour chacune des zones dans lesquelles il peut vous aider et que vous lui demandez de l'aide. Et il est putain de pété hein, pour le boss final, franchement, il fait mal. Mais ouais, faut réussir. Parce que
Il y a tellement de trucs à savoir par rapport à tous les PNJ dans ce jeu, c'est assez relou, voyez-vous. Je peux l'ouvrir? Verrouillé. Mets-toi, toi. Je voulais voir ma tête. Dans la tête. Non, mais mieux que bon. Alors cette zone est un petit peu dégueulasse parce qu'en fait il faut réussir à avoir une âme au milieu. Donc pour avoir une âme au milieu, faut tuer quelqu'un et très vite foncer vers le milieu. Et voilà, vous voyez, j'ai fail. C'est assez relou. Bon, je crois qu'il y a moyen dans l'autre pièce de draguer un mec. Drague, hein, donc le prendre et le faire venir, quoi. Voilà, l'un de vous, venez. Parfait. Les mecs prennent pas leur coup, ça m'énerve ça. Me gonfle. Oui, bon, par contre. Parce que moi, comme j'ai dit, je veux toute ma vie. Donc, tu me rends toute ma vie. Merci. Alors, qui avons-nous encore dans le chat? Parce que je vois que c'est affiché un certain nombre. Je ne vois personne parler. N'hésitez pas à me parler. Je me sens seul. Papotons, faisons la discussion là. Faites péter le champagne et tout. Faites-vous une raclette? J'ai envie d'une fondue. Pourquoi est-ce que je suis tout seul? Pourquoi je vis seul? Et du coup, je peux pas me faire une fondue parce que une fondue pour une personne, putain, c'est un peu beaucoup quoi. Je te merde le jeu. Bon, ce qu'on va faire, je vais tuer un des deux. Voilà. Comme ça, on en aura qu'un. On va pas trop se faire gangbang. Allez, mine-toi le cul. Je sais plus à quoi ça sert par contre. Ouais, je me rappelle à quoi ça sert de. Ah, c'est pour l'ascenseur. Cool. Tu es le mercenaire. En plus, hein, mec. Y a pas de fantôme ici? Bon, allez. Un PNJ, c'est une ombre en plus, donc il va pas rester long. Un peu cool, ouais. De toute façon, c'est pour un mini-boss. Vous le reconnaissez? Mais oui, c'est le cheval de merde! Mais me dis pas bonjour! T'as pas vu qu'il y a un boss? Ça t'apprendra à être con.
Bon, en fait, l'UE, tu sers vraiment à rien à part te prendre des coups parce que tu dis bonjour au lieu de te battre. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider contre eux. Ouais, tu sers vraiment qu'à te prendre des coups. Comment ça, ta tâche est terminée? Non, mais il n'y a même pas 30 secondes. Fous de ma gueule? Le mec. Ah, j'étais là 30 secondes, c'est bon. Ah, mais en fait, t'es toujours là, monsieur le tapis. D'accord. En fait, t'étais parti, il était en Thaïlande. Salut Guilhem! Vous savez ce que je suis en train de me dire? Faudrait que je fasse des jeux qui courent en fait. Ça se trouve, si je fais des jeux qui courent, y a plein de gens qui vont venir me regarder. Bon, et aussi, il faudrait que je fasse des jeux un peu nouveaux, quoi. Parce que je fais un peu les jeux que tout le monde a fait. Quoique, remarque, je connais pas beaucoup de monde qui a fait Abzu. Je connais pas non plus beaucoup de monde qui a fait Oceanhorn. Je crois qu'il y a personne qui a fait Oceanhorn dans le monde. Ça me dit rien. J'avais fait Sium avant beaucoup de Français, mais malheureusement, ben, comme je m'en suis très vite rendu compte, les gens regardent les youtubeurs, pas les jeux. À ce compte-là, moi je me dis que les youtubeurs arrêtent de jouer. Clairement. C'est pas parce qu'il joue que les gens sont intéressés. Hein. J'ai entendu Entai, alors me voilà. Ah bah c'est bien. Au moins, tu viens pour les bonnes raisons, Guilhem. Bon, il était un peu de la merde, j'aurais juste dû lui foutre des coups dès le départ en fait. Qu'est-ce que c'est écrit? Illusion droit devant. C'est vrai ce mensonge? Est-ce que c'est vrai ce mensonge? Où sont mes prismes? Est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes? Non, tu m'as menti! Je savais pas que ça faisait un boucan les prismes quand on les jetait! Ok, ça m'a bien foutu les poules! Plus jamais ça! Ok, j'ai jamais utilisé les prismes de ma vie, j'utiliserai plus jamais les prismes de ma vie. Très bien. Je te merde. Et toi aussi, je te merde. Pourquoi toi je te one shot? Mais des gens de 12 ans, tu veux ça? Je crois pas. C'est pas faux. Et il parle comme ça. Mon Dieu, c'est horrible. Moi, j'arrive à lire le Kikou parce que j'en ai été un quand j'étais gamin. Mais. Pire, il te demande de jouer avec toi. Et quand tu parles au micro. C'est la surprise de la voix de Pikachu. On a un viewer qui est comme ça, s'il vous plaît. Ne... Oh Zambla! Oh Zambla! Mais Zambla, ça prend un A, donc va te faire foutre. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à la prochaine, bye bye!